Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène avec pour qu'on puisse enfin commencer mon petit journal de Mesket Mouse de Morgan O'Brien. C'est un livre de colo que je vous avais montré, que j'ai très très envie de commencer. Mais j'ai pas envie de colorier simplement les images, j'ai envie de faire un petit journal ou un petit livre sur ce sujet tout au long de l'automne. Et j'étais en train d'hésiter si j'allais prendre ce journal-là. Ou celui-ci. Ce journal-ci, je l'ai de la pharmacie. Je le trouve très bien parce que la taille me convient bien. Est-ce que vous voyez? Oui. Elle me convient bien. Il est relativement petit et l'image irait bien dessus. Les pages sont très très fines. Mais ça, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va coller beaucoup de choses. Donc en fin de compte, les pages, elles vont vraiment être bien. Bien, bien épaisse enfin, à la fin. Pardon. Et j'avais pensé, soit on le met notre petit colo à droite, au milieu, à gauche, vraiment, ça tout dépendra de comment on décorera la page. Je pense que le format me va bien. J'ai regardé, il y a 44 doubles pages. Je voulais toujours une double page pour un colo. Donc 44 double pages, ça irait bien. Surtout que je pensais qu'il y avait dans les 25-26 colos, mais non, il y en a 31. Je l'ai écrit, je crois, quelque part. Il y en a, oui, 31 colos. Donc avec 44 double pages, ça irait. Je pense que je vais peut-être retirer quelques pages si je prends celui-ci. Sinon, j'ai aussi ce livre, ce journal-là. Ce magazine que j'ai trouvé qui est un peu plus grand, qui est plutôt format carré comme vous voyez, qui irait super bien aussi. Là, j'avais déjà montré l'autre fois, regardez, confetti autour, c'est super, ça irait très bien. Le papier est beaucoup plus épais et il a de super belles images qui iraient déjà très très bien avec pour notre thème de l'automne. Et celui-ci, il a 34 double pages. Donc, en fin de compte, il irait exactement pour nos colos. J'aurais rien ni à retirer, ni à... Non, je pense pas que je retirerai des pages là-dessus. J'aime beaucoup la reliure qui est vraiment bien collée, qui est vraiment très, très stable, qui a l'air d'être vraiment très stable. Celui-ci, il est que agrafé. Donc là, il faudrait qu'on fasse un peu plus. Donc j'étais en train d'hésiter quel livre, quel journal je prends. Comme ça, je dirais, je prends celui-ci, bien sûr, avec le papier qui est meilleur, avec justement 34 doubles pages et les belles photos qui sont déjà dedans. Parce que ce n'est pas la seule, il y en a une derrière, je crois. Et puis il y en a de temps en temps d'autres qui vont aussi très très bien. Là, il y en aurait une, mais elle est moins belle. On avait trouvé une autre fois. Là, celle-là était pas mal non plus avec les fruits et le fil à coudre. Celle-ci aussi. Comme ça, j'irai plutôt vers celui-ci. Le seul petit. Problème qui n'est pas un problème, hein, mais la seule petite chose qui me dérange, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir, non, très, 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 avec grande probabilité, je ne vais pas retrouver ce journal-là parce que celui-ci, je l'ai reçu du Danemark. Et j'avais pensé, si ces livres de colo me plaisent et que vraiment en automne, j'ai vraiment grand plaisir à le faire, j'avais pensé me procurer celui-là d'hiver. Printemps, d'été, au moment donné. Donc, j'aimerais bien faire ça plutôt dans 4 ou 5, parce qu'il y a aussi celui de Halloween qu'on pourrait aussi chercher. Donc, je préférais faire des petits journaux qui ont tous la même taille et le même format et de la même sorte. Et je sais que là, ça sera pour moi beaucoup plus facile de le trouver à la pharmacie et même y aller cet après-midi éventuellement, passer dans une pharmacie, regarder si je le trouve et d'en prendre. 4 à la fois, comme ça j'en aurai 5. Parce que c'est plus joli d'en avoir alors 5 du même format, l'un à côté de l'autre, qui regrouperait toutes les petites souris.
Donc, en fin de compte, je pense que je vais plutôt prendre celui-ci. Même si la qualité est moins bonne, les pages, la reliure, là, vraiment, il faudra que je fasse quelque chose pour vraiment qu'elle soit plus forte, en tout cas. Mais je pense que ça sera plus facile et il est un peu plus petit comme format. Donc, je pense que nous allons prendre ça. Alors que, par rapport aux images, au papier, à la reliure et tout, c'est plutôt ça qui me parlerait. Mais je sais, je pense pas que je vais retrouver le même format, le même magazine quelque part chez moi dans les environs. Donc oui, je crois que je préfère prendre celui-là pour être sûr d'en avoir vraiment quatre petits ou cinq petits formats dans ce genre. Ouais. Et pour vous montrer que la qualité du journal n'a pas, en fin de compte, pas beaucoup d'importance. Il faudra faire attention à sur certaines choses, mais en fin de compte, je pense que ça ne va pas nous déranger. Non, je pense qu'on va le prendre. Voilà, décidé. Voilà. Donc, nous allons prendre celui-ci. Et comme je vous disais, j'ai 44 doubles pages. J'ai devant et j'ai derrière. Donc, je pense que nous allons. J'ai fait la petite photocopie pour me référer un petit peu. Donc, je pense qu'on va d'abord retirer quelques pages. Donc, laissez-moi un peu calculer. Un crayon, un papier. Pour ne pas faire de bêtises. Donc, on a 44 doubles pages. Devant. Derrière. Et nous avons 31 colos. 31 colos. Si je mets toutes les 2, 3 pages. Disons. Je réfléchis. 31 colos. En fin de compte, ça fait 46, n'est-ce pas? 46, ça fait 15 pages de trop. Si j'ai 15 pages de trop, 15 c'est vraiment trop. Je réfléchis parce que pour penser à. J'ai pas envie que ça soit exact, exact. Et d'un autre côté, je me dis si j'en ai plus. Je pourrais faire des doubles pages où je n'ai pas de petite souris, où je pourrais vraiment faire thème automne, mais je ne veux pas non plus en avoir de trop. Donc si je fais toutes les 5 pages, ça ferait 6 doubles pages en plus. 6 doubles pages en plus, ça ferait 37. Et j'en aurais. Ouais, ça serait 6. 7. Je réfléchis. Est-ce que c'est intelligent de les retirer déjà maintenant? Je pense que je vais en retirer 10. Est-ce que c'est une bonne idée? Je le fais. Voilà. Je vais en retirer 10. On va faire doucement. On va en retirer 5 et puis on va regarder si ça nous convient ou pas. Donc ça serait une double page. Voilà, si on fait une erreur, c'est pas grave, je pourrais m'en rechercher. Hein. Ça, je sais que je vais pouvoir les retrouver chez nous dans la. Dans les pharmacies, donc ça c'est pas un problème. Six,
Et 10. Voilà, on va voir. Est-ce que c'est logique ce que j'ai fait? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et j'ai fait une erreur. Je comprends pas là. J'ai pas bien calculé avant. 24. Non, j'en ai plus que 24. Bon, je comprends pas. Ah ben si, je sais pourquoi. 24, parce que ça ferait 25, 26, 27. Ah oui, attendez. Vous voyez, c'est pour ça. Donc, en fin de compte, je voulais pas compter celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors j'aurais pu tout laisser. Pratiquement. Non, pas tout, mais presque. Bon, j'aurais pas eu besoin de t'en retirer. C'était très intelligent. Ouais, on va faire comme ça, je pense que ça devrait aller suffire. Bon, c'était pas intelligent, mais bon. Donc je garde celle-là. Bon, maintenant on devrait l'avoir. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ouais, 36 c'est bon. Donc on aurait quelques pages en plus qu'on pourrait décorer comme ça. Oui, ça c'est une bonne idée. Ok, donc on a tout ça que j'ai retiré, que j'aurais pas dû retirer. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. Théoriquement, je pourrais aller me chercher un nouveau. Mais comme j'ai envie de commencer avec vous, hein, eh ben non. On va faire ça comme ça. Un peu de scotch. Et ça, je ferai ça sur toutes les pages que j'ai retirées, que j'aurais pas dû retirer. Ça n'a pas besoin d'être beau parce que de toute façon, nous allons coller après encore du papier dessus. Voilà. Bon, c'est que pour le début, pour avoir une idée. Bon, alors, première astuce, quand on commence un petit
magazine comme ça. Première astuce, on ne fait pas une page l'une après l'autre, chronologiquement, parce que ça va fatiguer notre reliure qui est déjà pas une bonne, qui comme elle est seulement agrafée. Nous allons vraiment travailler dans tous les sens. Ça veut dire, on va commencer au début, on va commencer à la fin, on va aller au milieu, au début, à la fin, au milieu, un peu sur les côtés. En fin de compte, c'est vraiment pas du tout chronologique. Donc, en fin de compte, c'est pratique avec des petits colos comme ça de coloriage. On pourra y aller comme on veut sans devoir faire attention dans quel sens ça va. J'ai déjà réfléchi. Je vous avais montré qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier qu'on avait choisi en partie ensemble. Et je pense que la première page ici, on ne va pas la faire parce que ce sera sûrement une page de déco ou je pense que peut-être même que la couverture, on la découpera et on la mettra peut-être devant ou on la travaillera ou je sais pas, je ne sais pas encore exactement comment on va faire. Les photocopies que j'ai fait, c'est pas là-dessus que je vais colorier. Je vais vraiment colorier sur ce papier-là pour être vraiment sûre de ne pas faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire parce que là, c'est écrit que on n'a pas le droit de faire des reproductions, ni de photocopies, ni scanner, ni quoi que ce soit sans l'autorisation de l'illustrateur. Donc, je ne veux pas avoir de problème. Surtout que je fais ça en vidéo et que c'est sur YouTube. Donc, on ne va pas faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, en fin de compte, je vais colorier. Je découperai la page. Je colorierai sur ce papier. Et c'est ce colo-là qui ira dans mon petit journal. Cela, ce n'est pas ce que je vais utiliser. Ça, c'est que pour me donner une petite référence pour pouvoir travailler avant de colorier. D'accord? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de mésentendu par rapport à ce que l'illustrateur a écrit, parce que je ne veux pas avoir de problème. Et puis, en fin de compte, ce n'est pas un livre cher, hein, donc si j'ai vraiment envie de me le reprocurer, je m'en rachète rien. Ça coûte que 6,25 €, c'est rien, quoi. Donc ça, déjà pour le début, pour pas qu'il y ait des mésentendus et qu'après qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh, mais tu as fait quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. » D'accord? Bon. Donc je pense que cette page-ci, je vais pas mettre de colo dessus. Ça sera, comme je disais, la couverture. On la mettra vraiment sur la couverture en travaillant sur mon dessus un peu pour le décor autour ou un truc dans ce genre-là. Celle-ci, ça sera une page de collage et mix média, je ne sais pas, on verra. Et seulement là, je commencerai à mettre un petit colo. Je vais vous montrer, je vais vous faire bouger et je vais vous montrer comment je me suis préparée. Vous allez voir, c'est un bazar chez moi. Attention, je bouge. Alors, ici, il y a mon papier, tout le papier que j'ai choisi, que j'ai collectionné. Et regardez, 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 il y a le soleil, hein. Mais regardez, j'ai photocopié chaque colo et puis j'ai regardé quelles images iraient ensemble avec quel fond. Vous voyez, pas tous les colos ont déjà leur fond, ce n'est pas grave du tout, ça viendra avec le temps. Mais j'ai déjà ici et là quelques colos qui ont déjà leur fond. Peut-être qu'on peut s'approcher pour que je vous montre un petit peu. Alors, par exemple, j'ai pris avec la petite souris avec la marionnette, j'ai pris un fond un peu enjoué. Peut-être qu'on pourrait mettre des jeux ou des jouets autour ou un truc dans ce genre. Parce qu'elle est en train de jouer à la petite marionnette. Celui-ci, je vous avais montré, ce fond-là, c'est un fond dans ce genre-là. Il y a de l'écriture dessus de ça. Et je trouve que celui-ci va bien. C'est comme s'il partait vers l'arc-en-ciel et il a une petite lettre et c'est pour ça que j'ai mis ça à côté parce que ça c'est je suis en train de t'envoyer de l'amour donc je sais pas hein, ça sera toujours une double page donc on aura la place j'ai la petite le petit hibou qu'on pourrait mettre théoriquement ici sur la branche d'arbre vous voyez et il faut penser que la page je vais la couper un peu plus courte hein, parce que mon journal est pas aussi grand que la feuille. Parce que ça, c'est presque du A4. Et moi, j'ai un journal qui est plus petit. Par exemple, celui-ci, j'ai une bougie. Là, ici. Donc, j'ai choisi un fond avec des bougies. Éventuellement, ça pourrait bien aller.
Ici, j'en ai un qui est tout cosy. Voilà. J'ai mis des fleurs autour. Je pense que ça irait bien. Et puis, j'avais une tasse de thé. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne l'ai pas vue jusqu'à présent. Mais je sais que j'en ai trouvé une que je mettrai sûrement avec. Ici, elle est en train de colorier ou de dessiner. Donc, j'ai pris les crayons de couleur. Et j'ai trouvé une papier scrapbook que je pourrais en partie colorier aussi. Donc, il irait bien en fin de compte comme fond. Et vous voyez, c'est comme ça que j'ai choisi à peu près ce que je voulais mettre. Là, c'était celle avec la cuisine où elle est en train de faire à manger. Donc, j'ai trouvé encore le petit four. J'ai trouvé... Oh, pardon, vous voyez rien. J'ai trouvé le petit four, le pain, la soupe, des petits biscuits qui seraient plutôt de Noël, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai... Où est-ce qu'il est celui-là? Je cherche... J'ai celui-là avec le tricot que je vous avais montré l'autre fois aussi, voilà. Avec les pompons. Celui-là pour faire un petit voyage avec avec une carte pour faire une randonnée. Et puis beaucoup avec de la nature, bien sûr. Celui-là aussi, vous l'aviez vu. Peut-être celui-là, vous avez vu. C'est même pas bien photocopié parce qu'il y avait mon encre qui lâchait. Mais c'est pas grave, c'était que pour me référer en fin de compte. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Ça serait... La double page, elle serait déjà théoriquement prête. Vous voyez, c'est une page comme ça. Et j'ai que besoin de mettre mon petit bonhomme, ma petite souris. Et puis, j'ai ici... Allons en aventure. Ou des nouvelles aventures. Dans ce genre-là. Et puis, on aurait déjà une double page. Donc, celui-là, il serait très très rapide à faire. Peut-être que ce serait même le premier que je fais. Puisqu'il est déjà pratiquement fait. C'est vraiment déjà une double page. Et on n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses en fin de compte. Celui-là avec le petit arbre. Je me suis dit que ça irait. Je ne sais même pas pourquoi je me suis dit ça. Mais ah oui, l'arbre. Si, l'arbre comme un pommier. Pardon. Comme un pommier, éventuellement mettre le garçon, mais je pense pas. Ouais, regardez. Théoriquement, on pourrait faire. Je sais pas encore comment. Oh non, on va laisser ça comme ça. Ici, un pommier. Là, il y a un autre pommier. Il y a les pommes qui tombent. Là, c'est écrit pommier. Là, j'ai encore des pommes. Donc, on pourrait faire quelque chose avec. Oui, donc, vous voyez, ce sont mes idées. Je me suis éparpillée là dans toute la pièce. Gros bazar toujours chez moi quand j'ai les idées, quand je suis créative et quand je suis dans mon flow. Alors là, moi, je me lâche. Mais ça fait une belle image, il faut l'avouer. Voilà. Donc, on repart sur le bureau. Voilà pour ça. On va vous raccrocher que ça... Voilà, voilà. Donc, c'était, voilà, l'idée que j'ai. Maintenant, je suis vraiment en train de réfléchir si je prends vraiment celui-là ou si je vais m'en procurer à nouveau. Parce que maintenant que je l'ai à moitié... maintenant que j'ai un peu gâché mon journal, là. Ouais, je vais réfléchir. Mais bon, on peut déjà peut-être prendre la double page que je vous avais dit. Là, toute simple pour vous donner une idée. Donc, vous voyez, c'est simple. Hein, on n'aurait que besoin de découper. On peut déjà le faire, puisque ça, de toute façon, même si je vais m'en chercher à nouveau, on peut déjà découper et donner quand même déjà une idée à quoi ça ressemble. Et comme ça, j'aurais que besoin de le recoller sur le nouveau si j'ai vraiment envie de. D'abord, on va couper les bords correctement. Ça sera plus intelligent, je crois. Peut-être que c'est plus intelligent de en reprendre un et puis vraiment de retirer que mes 3-4 pages là que j'aurais dû faire et pas toutes les 10. Alors, on va regarder si je mets ça comme ça. On va faire ça comme ça qu'on va couper ici. Retirer l'écriture,
C'est même pas droit ce que j'ai coupé. Oh là là. C'est en fait parce que mes ciseaux, ils collent un petit peu à force de couper des stickers, washi tape et tout ce truc qui colle. Et bien en fin de compte, mes ciseaux, ils collent très 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 rapidement. Et après, ça fait que ça ne coupe plus spécialement droit. Et bien. Ouais. Donc, ici un trait. Ici un petit trait. On va faire un tout petit peu plus pour être sûr que... Ce qui dépassera, je le couperai quand ça sera collé. Ce sera plus intelligent, je crois. Et mon papier, je le jette pas par terre, hein, je le jette dans mon carton que j'ai par terre à côté de moi. J'ai un carton où je... C'est ma poubelle en fin de compte. Et c'est là que je mets. C'est là que je jette toujours mon papier. Pas vous croyez que je le jette tout par terre quand même. Comme ça, c'est direct poubelle. J'ai pas besoin de. Voilà. En fait, c'est là que c'est pas droit. Hein. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pense que les pages elles vont être toutes très différentes. Peut-être des simples, des plus compliquées, des plus abstraites, des plus... Je pense qu'elles seront toutes un peu différentes. Et c'est ça qui fera la beauté du petit journal en fin de compte. Et comme ça, je vais pouvoir m'y mettre à colorier ma première petite image. Ce n'était pas du tout ce que je voulais avoir. Ce n'est pas du tout ce que j'avais mis dans ma pack parce que je n'avais pas encore ce petit livre. Et donc, ce sera en plus. Il y aura sûrement un ou deux colos qui ne n'apparaîtront pas à la fin du mois. Mais ce n'est pas du tout. C'est pas du tout grave. C'est comme ça vient. Et puis la pack, c'est que pour m'orienter, pour savoir à peu près ce que je veux faire et pas réfléchir. Non. Et pas réfléchir trop longtemps. Parce que je pourrais colorier quand j'ai fini un colo. Donc c'est que une orientation. C'est pas un je dois absolument colorier ça. Jusqu'à la fin du mois. À part bien sûr les duos et les trios, j'essaie vraiment de les réaliser quand même. C'est pas grave, moi je fais comme ça vient. Voilà. Ouais. Donc on va coller ça. Je prends bien sûr ma pub. Je prends toujours la pub. Avec la pub, c'est là que je colle toujours. Comme ça, j'ai pas de la colle partout. J'en ai vraiment que. Pas partout sur mon bureau ou sur le journal ou n'importe. Et je mets de la colle.
surtout bien sur les bords, parce que c'est justement les bords qui se détachent, sinon si on n'en met pas assez. C'est bizarre que ça c'est vraiment travers, je l'avais déjà recouplé, mais c'est pas grave, tant pis. On va laisser comme ça. Ça me dérange quand même un peu, hein. Franchement, je n'ai pas bien coupé. Mais bon, si après on peut. Oui, mon petit colo. Là, mon colo il viendra ici environ. On pourrait aussi peut-être mettre sinon du washi tape, en fin de compte ça renforcerait notre reliure. Une seconde, voilà, alors j'ai trouvé, je me suis dit je vais prendre les washi tape qui sont dans les tons verts, donc j'ai trouvé ça, ça maintenant ça fait plutôt cuisine, hein. Petite fleur, non, ça peut-être. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça ce sont les pots. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi celui-ci. Mais je crois que ces trois-là, c'est ceux qui me plaisent le plus. On va faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Celui-là, il est bien parce qu'il est plus large en fin de compte. J'aime bien celui-là. Ou celui-ci. Ah. Qui serait bien aussi. Je sais pas pourquoi celui-là il me parle. On prend celui-là. Il me parle donc je le prends. Allez. Thank you.
Ouais, si, ça c'est bien. Voilà, là il y aura mon colo. Et puis ça, on va le mettre ici plutôt en haut, je crois. Ouais, on va le coller là. Voilà. Et puis nous avons déjà notre double page de fête en fin de compte. Je la laisse comme ça. Éventuellement, il y aura encore des autres choses qui viendront. Je peux bien m'imaginer qu'on mette une petite valise, par exemple, ou une petite voiture. Ou attendez, j'avais vu ici justement dans notre papier là au chocolat. Qu'est-ce que je venais de voir? Où est-ce qu'on était? Ah là, des chaussures de marche, par exemple. Qu'on mette peut-être encore des petits trucs en plus qui représentent l'aventure, le voyage. Et en fin de compte, quand je vois ça comme ça, c'est marrant qu'on met ça au début. Ça, c'est intéressant. On dirait presque le fou dans les cartes de tarot qui dit allons-y dans une nouvelle aventure, allons-y. Ah, c'est trop marrant. Ouais, donc en fin de compte, ça va très très bien au début. Ouais, c'est chouette. Et puis là, vous voyez, ça dépasse. Eh ben, je vais découper. Et ce qui est bien quand vous prenez de la colle à tube, c'est que ça gondole pratiquement pas. Et c'est pour ça que j'utilise toujours de la colle, des bâtons à colle, parce que vous pouvez bien sûr utiliser de la colle liquide, mais vous allez voir que ça va vraiment beaucoup, beaucoup gondoler. Et moi, j'en mets toujours partout. Après, ça sort dans tous les, ça sort de partout et tout ça. Donc moi j'aime bien utiliser de la colle à bâton et ça marche très bien. Ouais, donc nous avons déjà notre première page de notre petit journal. Je trouverais vraiment, c'est super, comme ça je vais pouvoir commencer à colorier cette page là, ce petit colo dans ce livre là. Donc comme je vous le dis, je vais chercher où aller là. Je vais la colorier, la découper, la colorier, la découper tout autour et puis la coller ici. Et éventuellement, je reviens avec vous pour éventuellement mettre encore des décorations ou peut-être même la laisser comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin toujours de mettre 3000 choses. Ou alors, on colle, fini. Et puis après, en revenant, en travaillant sur les autres pages, si je trouve des éléments qui iraient bien là-dessus, je reviens. Parce que très souvent, quand je fais mon journal aussi, je reviens parfois et je remets quelque chose en plus ou j'écris quelque chose. Mais ça, c'est super marrant parce que première page et c'est comme le fou dans le tarot. C'est trop génial. Ouais, très très bien. Donc voilà ma première page pour mon petit journal dans le Matchstick Mouse. Et puis vous avez vu toutes mes autres colos qui sont derrière moi. Donc on a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de pages et ah, je suis trop ravie. Donc on a déjà la première page. Ouais, super chouette. Donc on va continuer comme ça avec les autres colos qu'on pourra faire petit à petit. Et oui, j'espère que cela vous a plu, que ça vous a inspiré, peut-être que vous avez aussi envie de faire avec dans ce petit challenge d'aller dans le Matchstick Mouse automne et puis de créer notre propre petit journal de colo journaling, les deux ensemble pour pour travailler dans ce genre-là, pour avoir à la fin un très beau petit livre, un très beau petit journal qui sera là-dessus. Et oui, dites-moi si vous avez envie de faire avec ou si ça, oui, ce que ça a fait de regarder cette vidéo. Un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très 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 plaisir pour me motiver à continuer. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt !